On est encore vigilant, euh, mais en tout cas, on a montré à notre visage euh, en termes de contenu, et forcément, les résultats euh, derrière sont, euh, sont aussi intéressants, euh, mais ça reste euh, encore euh, à, à prouver euh, sur la durée, en tout cas. Bah déjà, il y a le retour des blessés, c'est beaucoup, euh, ça une part euh, prépondérante. Euh, je pense que aussi. Euh, bah, physiquement on, a, on est capable de répondre euh, sur la durée de, totale d'un match que ce soit monaco ou que ce soit paris euh, on n'a pas eu euh, voilà de trous de trop, euh, trop importants dans notre match ce qui n'était pas le cas des rencontres précédentes euh, ça vient sans doute euh, du fait que euh, on commence à être à un mois et demi euh, dans de la, de la reprise et, et qu'on a commencé à digérer un peu tout ce qu'on a entrepris Peut-être, oui, aussi, on a à, à se connaître. Il y a eu une période de, voilà, de, pour apprendre à se connaître, sans doute. Bon, euh, si je n'avais pas l'impression d'avoir révolutionné tout à fait euh, ce qui avait été fait avant, mais euh, forcément, il y, avait, euh, il y a des changements et donc des adaptations euh, et, des deux côtés, que ce soit du côté du staff et du côté des joueurs. On est encore loin euh, des cinq premiers, mais euh, loin, euh, pas si loin que ça euh, en termes mathématiques, mais. Euh, pour ça, il faut faire une série et pour continuer notre série, on a deux matchs qui se profilent et puis déjà la réception de Lorient. Donc à nous de bonifier à la fois la belle victoire de Monaco et surtout le point ramené de Paris. C'est sûr qu'on a confiance en nos moyens, nos capacités et ça c'est peut-être le plus important à ce moment de la saison.